Oh, Ah. t'es dans ma partie. Oh, Ah je... mais merde. Je te... Oui. Alors attends. Voilà, c'est bon, j'entends plus rien. Ouais, mais touche tout talk. Je vais peut-être l'activer. Ok, Je vais c'est bon. baisser le volume de tout normalement. Alors, pourquoi j'ai pas tous mes FPS? T'es là? Ah oui, t'es là. Je suis pourtant en Ah, full screen, ouais, c'est Zi 1920 bêta, hein. x 80. Ouais, toi aussi, pour ça? Ouais, bon, j'en ai, mais pas. J'en ai pas 1000, mais j'en ai. Ok. Ok, bon. Attends. Alors attends. Tu es très maniéré déjà. Là, tu peux Pourquoi on changer ton se lève? skin. Tu peux changer ton skin si tu veux. Parce que là, t'as vraiment l'air. T'as vraiment l'air fou là. C'est où? Allez, viens avec moi. Je vais te refaire une beauté parce que là, c'est pas Non glorieux mais là. c'est vraiment ridicule de C'est devoir vrai. courir avec le petit bras là. Ouais, pardon, je vais. C'est là, c'est t'interagis avec le miroir. Hein? Bon, du coup, vous avez capté. Surgeon Simulator 2, c'est le week-end de bêta. Ça s'arrête ce soir, je crois. On arrive juste Mais à oui, mais temps. attends, tu m'as menti. Quoi? Oui, il y en a quelques-uns. Faut gagner des items. Non, c'est pas ça. J'essaie d'interagir avec le miroir, mais il se passe rien. Non, Comment t'interagis avec le il y a miroir? marqué en bas de l'écran Hush normalement. Tu peux pas? Peut-être parce que Non. c'est pas ta partie. Ah, quand c'est pas ta partie, tu peux pas. Tu es condamné à être cette Oh. espèce de punk anglais ridicule. Mais j'ai trop l'air con. Oh, on dit ça se voit genre. Ah la gueule que j'ai. Regarde, je prends des Starbucks. Tu ressembles un peu à... Regarde-moi. Ouais, non, tu ressembles à personne. T'es incohérent, je sais pas, Là, t'existes comment je pas. suis, ça fait trop genre. Non, ça va pas être possible. Non, Non. ne me parle Non, non, pas. non. Coucou. Pardon, mais non. Coucou. Ah, dans l'autre chambre? Peut-être que toi, dans l'autre chambre, t'as un miroir à toi. Peut-être. Moi, je te vois pas avec un Oh! miroir. Oui, c'est vrai. C'est bon? Ok. Ok. Aide. Voilà, du coup, Body. c'est la Hand. bêta. Le jeu, il sort le 27. On est toujours partenaire Epic, donc des fois on a ces petits jeux comme ça fait plaisir, merci à eux. Et puis on va y aller, voilà, c'est tout. Merci. Par contre, j'ai. Alors, j'ai rien là, en gros. Non, il y a 4 skins de base, mais après il faut gagner les items en jouant. Et ben, je serais. Il ressemble à Jimmy Labeu. Regarde-moi. Ah ouais, il y a un truc. Ah merde, no offense hein. No offense Jimmy. On a un peu trash du coup depuis tout à l'heure. Mais Ah bon, ouais, mais. je sais pas. Ouais, mais il y a un truc, hein. Tu le déguises en punk avec des pins, c'est un peu lui, hein. La coiffure, je sais pas, mais il y a un truc. Je vais mettre mon truc en ultra, voir si c'est mieux. Ouais, ils sont forts. Code créateur Wankil, évidemment. Excusez-moi, j'ai oublié. Pff, Ouais, on vous le redira de toute ouais, vous façon êtes plus tard. forts, hein. Putain, c'est beau. Bon, vas-y, on va faire la campagne. On va faire la campagne. Il y a 4 niveaux. Faut pas qu'on soit trop fort. Mais après, il y a des niveaux de la communauté aussi. On verra. Quoi? Pendant la bêta? Ouais. Parce qu'en fait, il y a un truc pour créer des niveaux. De ce que j'ai Oh. vu. Heartbroken. On a 5 minutes et 30 secondes. Et il faut remplacer le cœur de Bob. D'accord. Bon, pour commencer, c'est un peu compliqué. Une greffe de cœur là. Ok. On n'a pas un truc du style dent de sagesse? Ouais, pour Un truc plus commencer. smooth? Vite fait quoi. Je sais pas. Petit appendicite peut-être. Ah non, mais même ça c'est trop. Non, un truc vraiment. Mettre un pansement au doigt. T'es prêt? T'es prêt. Oh là là. Bon. C'est très particulier. It seems Bob's new heart is playing up. Oh So là, let's try tu parles trop swapping it fort. out. Tu parles trop The firm fort. is terrific at creating organs, but every now and then it Ok, does c'est the par là. right to dodgy one. Oh. Toi aussi, c'est 5 FPS land? Non. Je suis en VRI, je vais me mettre en high, en full screen. Non, ça va. Pff, ça va. Putain, mais les battes. C'est. Toi, c'est injouable là? Ah. Depuis que t'as lancé, je sais pas ce qui s'est passé, mais. Oh! Merde, parce que moi c'est flou. Oh la vache! T'as baissé C'est tes graphismes et tout? catastrophique! Ah bah ouais, mais enfin, c'est pas normal de base. Je
Genre là Oui, je mais suis c'est une en live, bêta, enfin même si je me enfin. mets en very low, je pense que ça va quand même laguer. Ouais, c'est pareil. Ouais, bah test. Test en plus bas. Non, non, mais j'ai essayé en very low. Ah. Ça change rien. Et ta Attends. résolution, si t'essaies de la changer ou je sais pas quoi. Un truc comme ça. 120, Putain, mais ça. 1080. Mais je les ai pas vus les cartes. C'est peut-être parce que c'est toi qui as créé, du coup, je sais pas, le jeu est plus tolérant avec toi. Je sais pas, Ah ouais, on peut le je vais peut-être. switch. Non, mais ça changera rien si t'inverses le problème. Je sais pas pourquoi ça fait ça, Non mais j'ai mais. jamais lagué donc on peut essayer comme ça. On change, on quitte, on change. Sinon, ça va être en parsec, je pense, parce que moi là, je peux pas faire grand-chose, quoi. Genre, à moins que les FPS se règlent une fois qu'on rentre dans la salle. Attends, attends. Là, vraiment, j'ai max, j'ai 5. On va recréer. Ah! Là, c'est fluide. Non, vraiment, ça vient du truc, hein. Ah bah c'est la connexion. Bon, vas-y bah invite-moi à ton lobby. Ça a marché quand j'ai fait ça? Ouais. Attention, un truc. Ouais. Ah ouais. It seems Bob's new heart is Ouais, playing up. effectivement, So let's c'est. try swapping it Ouais. out. The brew is terrific at Ça creating ira pour moi organs, là. but every now and then it does throw out a C'est dodgy bon pour one. moi là. Ok. C'est fluide toi? Non, c'est pas fluide. Je dois avoir 30 FPS max. Ouais, c'est moins fluide pour moi, mais ça passe. Ça ira. Je ferai avec. Je vais baisser ça. 60. Ok. Alors. Attends. Elle est où la salle Il de... faut une. Il faut des cartes. Il Mais faut des. pourquoi on n'est pas bien, docteur? Il faut des cartes d'accès. Trouve des cartes. Attends, elles sont comment les cartes? Cartes jaunes. Mais je l'ai vu tout à l'heure, attends, c'était en quelle pièce? Je devrais la trouver. J'ai. Non, j'ai... Non. Ah oh, merde, j'avais. Ah! Ok, bon, si t'as, j'arrive, parce que j'arrive pas à les prendre en fait. Ok. Ouvrez! Attends. Ah mais non! Il est en train de Attends. mourir! Attends. Ah. Non, c'est bon, il est pas encore là. Ah. Oh ouais! Ça marche! J'appuie sur le bouton. Tu peux passer? Ah, t'es passé, Il je est t'avais pas où? vu. Je t'avais Ouais, je pas suis vu là. passer. Ouais, je suis là, je Attends, suis il est derrière où? toi. Attends. Bob Oh là, Watson. Oh, non! j'ai pas fait exprès d'appuyer! Oh non, Merde! Ça y est, ça mais commence, je sais pas. J'ai pas Mais fait attends, mais exprès. on a pas mis nos blouses! On a pas mis nos blouses! C'est vrai que c'est pas très esthétique. Pas esthétique. Comment on dit quand c'est. Je sais plus. Comment c'est quoi? Quand c'est pas sain, quoi. Quand c'est pas. Quand c'est pas hygiénique? Exactement. C'est pas hygiénique. Je pense qu'il faut faire ça. Non, ça va nous dropper Ah oui, c'est des les petits. distributeurs de seringues. De seringues. Ouais, non, attends, il est où le patient? Là, c'est les cœurs. Mais c'est quoi l'opération? On va lui remplacer son cœur? Diagnostic scanner. No Bob found. Y a pas de Bob? Il n'y a pas de Bob. Je vais chercher Bob. Bob? Il a peur, il veut pas venir à Il est peut-être à l'opération. l'étage. Et je fouille des trucs. Il est peut-être en Fouille. salle de repos, Bob. Oh, my old Ah! office. Je suis dans mon You'll never bureau. miss it. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Don't believe anything she says. Oh non, Shut mais up, Steve. y a une histoire en Ah oui, il y gros. a un étage quoi. Ok. Stay alert. C'est là le Never bureau. too soon to plan ahead. Je vais y arriver à ouvrir cette. Oh, j'ai réussi! Wouah! Ah ouais, mais ça ne te donne rien quoi. Il y a une carte d'accès bleue là. Oh. C'est peut-être. Je vais la prendre. Wouah, mec! Quoi? Attends. Mais vas-y, mais ça ne sert à rien! Ah, regarde! Un œil! C'est très joli, mais ça ne sert à rien! Regarde! Une carte d'accès bleue! Je préfère mon œil. Ouais, je sais. Je vais voir si elle va quelque part. Voilà. Attends, viens me voir. Oui. Je suis T'es en là. face de moi? Arrête de tendre ta main comme Attends. ça. Bouge pas. Regarde-moi.
Qu'est-ce que tu... T'essaies de me tenir la tête là ou qu'est-ce que tu fais? Je te dois mettre des baffes un peu humiliantes. Vas-y, mets-moi des cochons derrière la tête là. Tu vas réparer tes erreurs. Oh, ça marche! Attends, y a pas de raison que je vais te mettre des coups de carte d'accès. Mais attends, mais il est où Bob? Je sais pas, mais moi j'allais chercher Bob avant que tu m'emmerdes avec ton œil. Alors, attends, je suis sûr que Bob n'est pas loin. Là, lui il veut la... Ouais, voilà. Il veut cette carte. Bon, c'est bon là, non? Ouais. C'est Attends. peut-être pas la bonne porte. Je la remets devant. C'est bien la bonne carte. Hé! Ça l'a validé? Si tu recules. Ah! Ah! Ah, mais il faut Il aussi faut un un cœur! cœur! Il faut Un un cœur! cœur! Il faut un cœur pourri ou neuf? Eh bien. Ça, c'est des Ok. seringues. Bah, si Bob était là, on aurait pu lui prendre son cœur, mais Bob n'est pas là. Où Attends. est-ce qu'on aurait pu mettre un cœur pourri? Je rappuie Dans sur. cette glacière? Ah, c'est une glacière. Je pense pas que ce soit là. Un cœur. Un cœur pourri. Ah, ça s'ouvre! Ça s'ouvre, ça! Ouais, mais ça change rien qu'on voit pas de cœur de par derrière les vitres. Tu vas voir. C'est sûr que c'est là. Non, il n'y a pas de cœur. Peut-être Oula. dans Comme ça. là-dedans, dans ce genre de valise, des fois il y a des trucs. Ah Ouais. non, c'est merde, c'est une boîte. C'est juste une boîte. Ce n'est pas ça du tout. Par contre, ça c'est un bel outil. Où est-ce qu'on pourrait foutre un Ah. cœur? Voilà, ça c'est un bel outil. Attends. Non, ici c'est pour se Mais laver. merde! Des C'est quoi pommes, on peut ça? mettre une pomme à la place? Et tu peux toujours essayer, hein, c'est. Un flan? On sait jamais, hein. Un flan aussi. C'est plus ou moins la même chose. Mais il m'emmerde, en fait, quand on a appuyé sur ce bouton, c'est sûr que le mec il aurait dû arriver. C'est quoi ce bordel? Non, parce C'est que quoi ça? il fallait Non? accéder à la prochaine salle. Comment j'ouvre cette boîte? Genre quand je suis là. Non? Bon attends, t'as trouvé un scalpel ou un couteau ou un truc tranchant? Oui, ça on Bah a. allonge-toi, je vais prendre ton cœur. D'accord. Je t'amène. Ça me semble être une très bonne idée. Ah, bordel de merde. Allez! Allez! Le cœur à gauche des étagères. Quelles étagères? Ok, j'en ai un. Ah oh ouais, viens par là. Ah Non bah non, mais me coupe ouais. pas moi, c'était mon idée. Attends, À à droite gauche des des étagères? étagères? Ouais, il m'a dit à gauche. Quelles Quelles étagères? étagères? Ça, c'est des étagères, techniquement. Ça, c'est. Faut passer la Des carte étagères bleue aussi. au scanner. C'est pas ce qu'on a fait. Qu'est-ce que vous me voulez? Toute façon, regardez, c'est la carte bleue, c'est bon, c'est allumé. Ça, par contre, il nous faut vraiment un cœur. Il nous faut vraiment un cœur. Donc. Et le problème, c'est qu'on sait pas où on se fournit un cœur. Donc là. Qui a déjà travaillé dans un hôpital qui saurait nous dire où est-ce qu'on trouve un cœur? Où on met les cœurs? Normalement, on est mis dans des genres de petites glacières. Via cette porte. Attends. Non, ce serait jamais ici. Ah, c'est quoi? Une aubergine. Pourquoi quelqu'un a gardé une aubergine ici? Ah, c'est Ouais, un cœur. test avec Ah, c'est. l'aubergine. C'est pas une aubergine, c'est un cœur. Attends. C'est pas exactement un cœur. Alors, ça, je Vas-y. te jure que c'est un cœur. Vas-y. Ah, c'est quoi? C'est une mouche? Ah, il y a un insecte gigantesque C'est chez bon, moi. je mets le cœur. Vas-y. Oui, le cœur, hein. Entre guillemets, le cœur, ça marche. Attends, par contre, ce dernier casier, on sait jamais. Attends, c'est bizarre parce que le cœur Ah! marche pas. Ah, le salaud! Oh, les bâtards. D'après le dessin, c'est presque pareil. Ah, c'est bizarre. Il n'y en a pas, ok. Je mange pas de beaucoup de légumes, je peux pas savoir si c'est un cœur ou si c'est une aubergine. Je vais te le trouver. Je suis sûr qu'en fait, le cœur, il est là-haut et que. On s'est fourvoyé depuis le début. Non, il doit pas être ici, à mon avis. Dans ce Comment? bureau-là. À quoi? Je commence à tout péter dans cet atelier. Comment on Ouais, trouve un cœur? sinon, en vrai, on va bientôt redémarrer la mission. Moi, je pense que Bob, il aurait dû apparaître, c'est sûr. Non, parce que.
Ah, mais t'as peut-être raison. Moi, je pense qu'il n'est pas apparu. En mode, Et c'était le cœur de Bob qu'on aurait dû mettre. je pense vraiment que c'est ça. C'était le Alors, patient dans ce qui donnait cas-là. son cœur. Et ouais. Attends, dans ce cas-là. Peut-être c'est parce qu'il y a un objet qui fait chier. Ouais. Y a quelque chose? Non. Ou le bouton, je rappuie-tu? Vas-y. Appuie avec moi. Ouais, on appuie bien. Hein. Attends, je vais faire. Ah. Plus, tu vois, là, il fait. Gna. Ouais, c'est pas ce qu'il me veut. On va redémarrer. Est-ce que tu peux. Est-ce que t'as un bouton, genre, redémarrer la mission? Échappe. Retourne to lobby. Parce que là, c'est quand même. Ça aurait été quand même évident qu'on prenne le cœur de Bob. Bah si on trouve pas d'autre cœur, oui. De Bobby, quand même. C'est pas un Du coup, scanner, qu'est-ce que je le. fais? Quoi? Non, mais en vrai, s'il aurait dû spawn, hein. T'as fait retourne tout lobby? Non, je peux le faire, mais... Ouais, si t'as pas d'autres trucs, fais. Attends, parce que. Attends. Attends. Alors là, je vais faire retourner où est parti. D'accord, parce que. Parce que le. Merde. Le couloir dans lequel on était avant, il ressemblait bien à un truc. Ouais, on l'avait pas mal exploré en vrai. Vas-y, bah on relance. Je pense que je suis encore dans ton lobby, j'espère. Normalement, oui. Suis ready. Il y a une carte du patient et tu peux la scanner. Je sais pas, il y a parce que il y avait un bouton, on a appuyé dessus, il est resté enfoncé, tu vois. Il y a quand même un truc qui s'est mal passé, je pense. It seems Ouais, les Bob's new heart gars. is Les petits gars failing. là, je pense qu'il y a un petit So problème let's là. try swapping it out. The brew is terrific Y a at pas de patient creating ici? organs, but every now and then it does throw out Non. a dodgy one. Oh là. Oh là là. Hop là. Ah! C'est toi qui bloquais la porte? Oui. C'était très chiant, j'ai été complètement. Ah voilà, j'ai plus la carte. Ah, attends. Ok, c'est bon. Vas-y. Je passe là? Ouais, faut que tu passes. Attends. Et tu peux aussi la laisser poser? Sur les livres, oui, ça marche. Alors, attention à ce bouton. Alors attention. Alors attends. Ok, je m'en occupe. Vas-y. Attention. C'est très lent. Bob awaits you. Check the diagnostic scanner to see Ah, what's ailing him. voyez! Voilà qui est quand même Alors. plus. Alors, il faut regrouper les outils et. Qu'est-ce que. Alors, il nous faut. Je n'ai pas d'informations concernant le patient. Bah déjà, il va nous falloir péter ses petites côtes, non? Alors, les outils. Le marteau. Nous avons besoin. Ah Où sont merde. les outils? J'ai vu les outils, j'ai vu l'outil marteau à un moment, mais je sais plus où. Je suis sûr de l'avoir. Il est là. J'ai un outil. Ok, alors ce que vous allez faire, vous allez frapper ses côtes. Est-ce qu'on devrait pas, chef, comment on appelle le chef chirurgien? Est-ce qu'on devrait Chef, pas, juste avec de la avant, sauce? est-ce qu'on devrait pas, là, chef, regrouper les autres outils? Sinon, ça va vite partir en couille. Notamment prévoir peut-être une Je vais seringue, chercher une seringue. une Une jaune. seringue pour pas perdre du sang. Voilà. Et il nous faudra aussi un scalpel, mais je vais la chercher. Je vais le chercher. Il nous faudra le scalpel pour enlever le cœur. Une scalpel. Il a scalpel, l'outil. Je pose la seringue. Hop. Et une petite seringue de sang au cas où le patient commence à tourner de l'œil. Oh mince, j'ai fait tomber les scalpels. Oh non. Oh c'est bon. Et Tous les outils sont prêts. nous voilà fin prêt. On peut Je suis procéder à prêt. l'opération. Je suis prêt. Attends. À votre signal, je lui explose les côtes. Attends, justement, me préparer parce que je pense qu'il va avoir un problème. Ok. Tenez-vous prêt. Tu peux y aller. Attendez. À la une. À la deux. À la trois.
Ok, ça c'est fait. Oh là, Allez-y, vous ok. pouvez retirer ses côtes. Non, puisque moi je suis chargé de la seringue. Ah, pardon, je... Ah, ça a fait un bruit de paix, je sais pas là, ça a fait un bruit de paix. Attendez, je le retire. C'est bon. Quoi? Oh, qu'est-ce que... Faites pas attention, il va mourir. Alors attends, il attends, saigne pas est-ce que encore? c'est sûr, c'est sûr... Il saigne pas encore, ça va être bientôt, mais... Attends, il faut qu'on retire ses... Bah, Oh, les poumons? oh non... Ok, je vais Mais chercher un outil pour faire ça, mais c'est vraiment... Non, tu peux les arracher? Ouais, mais ils perdent moins de sang. Les patients perdent moins de sang quand on leur retire avec le scalpel. Pas sûr, hein. J'ai un mec, il a fait médecine à la fac et il retire les poumons en les arrachant En les normalement. arrachant? Ouais, ok. Ok, je... Faut pas que je retire le mauvais. Oh, c'est chirurgical. Hop, l'incision est pratiquée. Oh! Oh! C'est Je planté! l'ai! Allez-y, il saigne! Allez, on va le faire griller. Ah, il saigne! Il saigne, il saigne. Attention. C'est bon? Il saigne plus. Il saigne plus. C'est très bien. Ok. Je reprends mon scalpel. J'arrive. Putain, Ok. le... Ouais? Et Très maintenant, bien. la partie importante. Attends, où est le cœur? Je vois pas. C'est une technique de retourner. Ah. Attends. Où est le cœur? Il est censé être à gauche, mais je le vois pas là. Si, je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. C'est le cœur que je Il vois est. en rose en Il bas? est. Ah! Je lui ai percé les intestins! Pas de panique, une petite piqûre. Hop! Merci. Et on est reparti. Qu'est-ce que je... Attends, j'ai mal pris mon outil. On peut pas travailler comme ça. Plus que 48 secondes. Ok. Oh, ça va être beaucoup mieux. 48 secondes? Ok. Avant que le McDo ferme, hein. Sinon on n'est pas sûr, on a le temps. Oh non! Ah! C'est pas grave! C'est le gros intestin, ça? Oui, mais c'est pas grave, je sais C'est le pas... tube digestif? Oh non! C'est Alors, tellement... on a le... Attends, c'est quoi ça? C'est le cœur que t'as piqué? Ah, mais Ah! je... Mais je... Non! C'est le poumon! Mais je n'arrive pas à le retirer! Oh C'est non! bon! Il est piqué! Il est piqué? Ok. Il faut que je... Ah non, mais j'ai un poumon Attends! qui est planté dans mon... Ok, c'est bon. C'est le C'est bon, il moment. perd pas de sang! C'est le moment. Et il perd pas de sang, là? Par contre, il a plus Non! d'organes, quoi. Ah, je tire! Alors, comment ce monsieur respire encore? Qu'est-ce Je que sais j'ai pas, mais retiré non, c'est encore? pas. Mais c'est pas le bon Mais truc! qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est! C'est quel organe que t'as retiré Je là? sais pas, on va lui remettre après. Oh le bordel! Oh, c'est collé maintenant à l'outil! J'arrive pas à le retirer. Ça colle au doigt, Ah, bordel! ça C'est bon, colle mais au qu'est-ce que ça truc. colle? C'est un rein. J'ai retiré un rein. Tu piques le cœur avec le rein dessus? C'est une Oh, brochette en je fait suis le truc. désolé. Je suis désolé, mais j'y vais à la main. C'est bon maintenant. Oui, vas-y, je vais piquer. T'inquiète pas. Oh là, c'est un peu Hein? costaud là. Oh Oh! putain, Je on l'ai! pique. Je l'ai! C'est bon. C'est pas par là. Vite, 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 vite. Non, mais on n'a pas vu la carte. Il nous faut la carte. Someone's messed with the fridge door. Hop là. C'est bon. Ça l'a allumé. La carte, elle était. Il y en a une à Elle était où la l'étage. carte? Il y en a une à l'étage. Bon alors, en fait, pour ce patient-là, c'est pas très grave. Parce que il faut juste. Il est mort, je pense. Il fallait juste prendre son cœur pour le donner à quelqu'un de vivant. Le problème, ça va être quand on va le mettre au patient vivant. Si on fait Ah, mais pareil. c'est pour ça qu'on peut lui faire. Bah, pourquoi il saigne? On s'en fout qu'il saigne s'il est mort. Ouais, j'imagine, c'était juste par prudence. Mais le prochain, par contre, faut pas que ça se passe comme ça. Ah, toi aussi tu avais. Oui, D'accord. on a bien fait notre travail. Et Julian, voilà. you know arms and legs don't belong in there. Ah, bah non, c'est le cœur neuf ça. Ah non, on va lui remplacer. Bon, bah, va falloir tout Ah, remettre en place, hein, chose alors sûre. Bob n'est pas mort. Bob, Bob, vous allez bien? Est-ce qu'on peut checker vous n'avez sur les plus de vols poumons. de sang, s'il vous plaît? Alors, Bobby, 5265, on est bon, il saigne pas. Bon. Le patient n'a plus de cœur, plus de poumons, il est encore en vie. Ça va, Bob? Combien j'ai de doigts? Faites place au nouveau cœur de Bob. Attends, regarde. Oh! Oh, C'est bon! oh Il se démerde pour la suite. Ah bah bonne chance Bob sans les poumons.
Bob, vous avez oublié votre poumon. Reprenez-le. Oh. On ira le faxer. Putain, le pauvre. Ouais, tu m'étonnes. C'était facile. C'était facile, mais un peu permissif parce que le monsieur est quasiment mort. Pour l'instant, on a quelle note? Écoute, on a la... In under 5 minutes en 30 secondes. Oh, ah, ça, ça, ça n'a pas été bon. Ah, c'est go la suite, hein, voilà. Bah, pour l'instant, excusez-moi, mais... Putain, mais... C'est assez facile, hein. Si on peut tout retirer pour mettre un cœur, moi je dis oui, hein, c'est facile. Je veux dire, quand des gens comme nous qui avons les bases, voire un peu d'expérimentation dans le domaine médical, c'est assez facile. Bah, pour l'instant, en tout cas, tout s'est passé comme prévu. On connaît par cœur les organes et leur emplacement, ainsi que leur nom. C'est quoi la... C'est quoi la mission? Aucune idée. Faut remplacer les bras. Oh, il faut changer ses bras. Alors, attends. Ici, on a nos seringues. On va d'abord préparer les bras. On va les écarter. Voilà. D'accord. Non. Tu vas rester avec les bras écartés, mon con, parce que tu vas m'emmerder, toi. Ok, je... c'est quoi? Je le tiens, tu coupes. Merde! J'ai tiré trop fort. À l'aide. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Je voulais tenir ses bras, j'ai tiré trop fort. Mais putain. Ah, regarde. Ah ouais, il est mort direct. Il va falloir qu'on refasse la technique de la seringue jaune. Oh merde. Ok, bon. Bon, faut tenir les bras, mais doucement. Non, mais là, il a un stade de décomposition avancé, j'ai à peine tiré. Écoutez, monsieur... Il fait pas trop de sport, lui, hein. Il faut raffermir tout ça, hein. Bon, moi, j'étais... Ne fais rien. Ne fais rien, j'étais parti chercher... des outils. Je vais pas tirer son bras, je veux juste... Tu vois... Parce que quand on va couper, il va falloir que ça soit écarté. Ah, j'ai un distributeur de bras et de jambes. J'amène tout ça. Ok, prends-moi un coca avec. Attends, mais... Ça ne distribue pas. Voilà, c'est bon. Position... T'y pose. J'ai un problème. Je peux avoir des jambes, mais on a une rupture de stock sur les bras. On a combien de bras? On a pas de bras. Ok, demande au monsieur si ça lui dérange pas d'avoir deux jambes à la place des bras. Ce serait drôle qu'on essaye. Je sais pas si ça marche. Oh, il y a des chiottes. Bon, il me faut des outils. Qu'est-ce que c'est que ce bouton? T'avais pas de scie, on est d'accord. Une scie. T'as pas de scie. J'ai pas. Il y a un ballon de foot. On peut faire un five, mais on peut pas l'aider. Ok, top. Ici c'est les seringues. Ouais. Une scie. Bah écoute, sinon le mieux c'est d'y aller à la bonne franquette et de tirer chacun d'un côté, hein. Ok. Mais attends, je mets la seringue proche, sinon il va mourir. Hop. Seringue de sang ou seringue d'arrêt d'hémorragie? D'arrêt d'hémorragie pour commencer. Mais il va falloir que je la prenne très très vite. Je vais la laisser là, comme ça, derrière moi. À portée, comme ça. Ok. Bob, tenez-vous prêt. Alors attends, tire pas trop, hein. D'abord on tient. Ok. Dis-moi, donne-moi le top. T'as son bras là ou pas? J'ai son bras. Parce que moi je te vois pas avec le bras, mais ok. Attention. À la une. À la deux. À la deux et demi. Oh merde. Oh vite. Vite. Attends, non merde, ouais. Ah. Est-ce que de base il a pas il a peut-être pas beaucoup de sang parce que là c'est instant. Effectivement c'était assez rapide. Peut-être qu'on va lui rajouter du sang de base. Je vais regarder combien il a. Merde. Attends, je fais juste un petit truc. Parce qu'il y a un problème avec le... Le bot Nightbot qui ne publie pas le lien du jeu. Bah alors Nightbot, on fait pas son taf. Et ça c'est pas bien. En attendant, c'est quoi, cherche la scie. Parce que... Mais non, mais c'est... Non, c'est ou alors regarde son sang. Je pense qu'il y a un problème avec son sang de base. Alors, de le base, patient. Y a un souci. 800 de sang, mais c'est que dalle ça, on va lui rajouter. Alors... Oh là, double ration, d'accord. On pique. Nightbot, qu'est-ce que tu fais?
Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ça fait quoi quand t'as trop de sang dans le corps? C'est une bonne question, je pense que t'exploses. Il a 1800 de sang. J'en mets une. Comment on fait un lien? Tu sais, on peut faire des liens à Hop! Epic Game Store avec le code créateur directement dedans. Je sais plus comment ça marche. Ah merde! Quoi? On a un nombre limité de seringues. Ouais, on en a trois. Bah du coup on en a plus. Ah, c'est comme Hop, ça. ah ça doit faire mal là. Ouh là où je l'ai mis. C'est Ouh ça comme doit ça. piquer. Hop! Alors on se sent mieux. 3800 de sang. Bah c'est parfait. Et bah voilà, Regarde, je m'en occupe on tout est bon. seul. Non, 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 attends, Hop! j'arrive. Tu me mets au chômage. Je vais mettre Attends. le lien toutes les 10 minutes. Je la mets là. Voilà. Et on va même mettre une commande du coup. Sir John. C'est bon, si vous tapez Sir John dans le chat, normalement, vous aurez le lien. Oh, pardon. Il est en train de faire des conneries, je le sais. Attends. Je suis au bout. Ça sent quoi? Alors, attendez, parce que j'ai peur, j'arrive. Alors, bah, t'as l'air de bien aller pour le patient. Bah, j'ai tout géré. Y a plus qu'à. Regarde. Prends Une son bras. seringue jaune peut-être? Non, t'inquiète. Prends son Non? bras. Non, Je. non. D'accord, je comprends pas pourquoi c'est bon, mais je. Attends. T'inquiète. Attends. Ça semble. Tu l'as? Oui, je l'ai. Ok, à la une, à la deux, à la trois. Hop! Ok, Et qu'est-ce vas-y, qu'on fait? maintenant. On prend la seringue 1500, 1000, 1000 millilitres, 1000 millilitres, reste appuyé, reste appuyé. Reste appuyé bien fort sans bouger. C'est bon! Non, c'est pas Quoi? bon, il fallait. Bah si, ça a fait gling. Elle est pas vidée ta seringue, je la voyais pas se vider. Ouais, mais pas besoin de la vider, non, Si, ça, si si, ça fait gling. faut rester au même endroit, sinon je crois que ça prend pas en compte. Oh, Bob. Non mais il a vraiment très peu de sang dans le corps ce garçon. Hein. Un peu pâlot le garçon, hein. Non bah Julian on said va aller this plus one vite, should be tu vas m'aider. tip-top. Regarde, Let's just see tu about prends that. une traque de sang. Je pense qu'il mange Parce pas qu'il assez faut à en la mettre cantine. 3. Ouais, on va mettre double seringue et Don't on va go faire off blanc again. rouge, jaune rouge juste après. Ça c'est du professionnalisme. Je la mets là. Faut lui mettre tout de toute façon en un acte 3. On va tout lui mettre. Ah. Non mais maintenant. Ah oui, maintenant parce que il en a vraiment pas assez. Ok. Attends, je vais y mettre. Là, voilà. Oh putain. Oh, monsieur une érection. Ah Oh, c'est ben, gênant. bien dur là. C'est un peu gênant, j'avoue. Hop! Mais là, ça lui donne? Ah oui, voilà. Ouais, faut faire attention, hein. Faut bien qu'elle se vide parce que là, j'étais dessus et ça se vidait pas. Hop, directement Je te remets la jaune au même dans endroit. l'intestin. Je te mets la jaune au même endroit. Un peu plus Il a proche. combien? 3950 de sang, parfait. Merde. Attention! Oh. Ah, ça y est, je suis bien. Oh! East! Ah! C'est bon, c'est bon. Ah! J'ai la jaune, j'ai la jaune. Vite, vite, vite! Vite, pique, je te dirai! 50 et Vite. 30! Vite, 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 plus vite, plus vite! 900, 800, Mais 700, putain! 600, 400, 300, Allez, 200, putain! 100! Mais bordel, elle veut jamais se mettre dans le bon sens! Je suis très énervé! Oh, tu feras la seringue jaune. Oh putain, Ok, je m'occupe de la seringue. je suis tellement un mauvais chirurgien. S'il y a des étudiants en médecine qui nous regardent, Julian says prenez-en de this la one graine, should be les losers. tip-top. Je suis sûr Let's qu'eux, ils just ont trop see peur about de that. tirer juste sur les bras et mettre les bonnes seringues au bon moment. Nous, on est Hey, au chaud. pire! Don't come off in a huff Au again. pire! Au pire! Non mais la jaune, c'est Hey! bon. Non mais attends! Quoi? Oh, tu veux lui remettre les bras direct? Non mais c'est pas ça! Tu lui arraches un bras et je le pique juste après. On lui arrache deux bras et je le pique Oui, juste après. on peut, ce sera plus facile. C'était que tu voulais faire ton clutch et lui enlever les deux en même temps. Ouais! On peut, on peut. Excusez-moi, En vrai, si je foire pas je la suis un seringue, chirurgien réputé. si on foire pas la seringue, c'est bon, hein. C'est pas dur, c'est juste je l'ai prise dans le mauvais sens, quoi.
3950. Non, mais écoute, on va faire vas-y, ça méthodique. On fait ça. Ils veulent qu'on fasse en mode école de médecine, on fait en école de médecine. Bon, ok. Touche donc, pas. Donc deux seringues jaunes, une après chaque bras? Moi je m'occupe, toi t'arraches, moi je pique. D'accord. La deuxième seringue jaune est ici, vas-y, bon. Regarde, je m'apprête à vraiment là, dès que t'arraches, je plante dans le 3, gros intestin. 2, 1, scratch! Parfait, parfait, parfait. C'est bon. 3079. Bah c'est bon. Il lui en reste beaucoup. Alors, la seringue jaune est... Là, faut juste croiser les doigts pour qu'il reste assez de liquide. Ah mais t'es fou. Pour que ça arrête l'hémorragie. Excusez-moi. Bah quoi, je vais quand même pas gâcher, t'as vu ce qui reste? Vous voulez pas plutôt prendre la neuve? Bon d'accord. Oh, putain. Non vas-y, vas-y. Mais je ne suis pas sûr de cette stratégie là. Non mais c'est fait chier de gâcher quand même. C'est vrai. Ça coûte un fric monstre. C'est vrai, c'est vrai. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous faites? Hop! On y va. 3, 2, 1. C'est planté! Vas-y, 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 continue, continue! Ça s'est beaucoup ralenti, mais pas assez! Vite, 1900, c'est bon! C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon! Parfait! Bon, monsieur n'a plus alors, beaucoup de sang, mais. Pierre feuille, ciseaux, tu peux pas jouer! Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Eh oh! 10, ça va pas, hein! Oh mec, trouve une seringue jaune, je pensais pas que ça allait marcher. Trouve une seringue jaune. Faut recoller. Mais j'étais sûr que ça marcherait pas, putain. Oh non. Oh, plus jamais je le fais. J'ai recollé la tête. Bon. Les médecins qui font une blague là. Eh hey, regarde si je fais ça. Trouvons des, oh, des alors, okay. Alors tu vois, si tu viens ici, tu vas voir que. En vrai, on peut lui mettre des pieds, mais. Ah ouais, mais on est dans la merde. Attends, ça fait quoi si je lui mets. Non. On va, attends, on va lui mettre des guibolles à la place. On va perdre, mais c'est drôle. Ah ouais, mais on n'a pas le choix, il n'y a pas de bras. C'est pas grave, ce sera une créature marrante. Écoute, il y a des ruptures de stock, c'est comme ça. On y va. Allez, on remplace. Et voilà. Et voilà. Écoute, globalement. Ah, t'as fait tomber la guibole. Et il perd trop de sang! C'est bon. C'est bon. Ça se passe bien avec sa jambe? Ouais, c'est bon. Faut juste la mettre et hop, c'est bon. On touche plus. Mais c'est dégueulasse! C'est. Franchement pratique pour courir. Et donc là, il fait pas un rejet? Non. Non, tout va bien. On verra comment la greffe se passe, mais normalement, ça devrait aller. Ça te dirait pas qu'on lui retire les jambes et qu'on lui mette des bras? Ah, attends, bah alors mission réussie ou quoi là? Alors les losers, bah alors, comment on bon. Fait là? Eh, c'est bon là, non? C'est validé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Y'a quelqu'un? La famille veut venir peut-être? Vous voulez voir le résultat? Quoi, la porte est locked? Ah, c'est vrai qu'il y a une porte lock, ouais. De toute façon, on n'avait pas le choix, y'a pas de bras. On a fait ce qu'on pouvait. Il faut savoir s'adapter. En fait, cette porte là, elle est fermée. Et je pense qu'elle n'est pas censée. Ah? Oh? Non? C'est What quoi is... ça? C'est quoi ça, le truc là? Ça a l'air d'être relié à ce bouton. C'est étrange que ça regarde, sorte. Regarde, parce qu'il y a une flèche qui dit de regarder vers le haut. Il y aura pas un balai pour appuyer sur le bouton? Je pense qu'on doit faire tomber un truc comme ça s'appuie sur le bouton, regarde. Genre, je sais pas, je prends ça. Ouais. Je le mets en haut. Ouais. Bon, je suis juste trop fort. Mais non. Bon, incroyable. Ah merde, il y avait des bras. Ah. Ah. Ah, oh, bon. On va. Écoute, c'est pas grave, on va refaire une greffe. C'est pas grave. Y a les scies également. Ah. Bon. C'est gênant. Ah. Il y avait aussi un truc pour passer par là. D'accord, donc. Ok, c'est un peu gênant ce qui se passe. Hop, on peut passer les outils ici. On peut passer les outils, oui. Alors, comment on va faire du coup? Parce que. Il nous reste combien? Il nous reste une seringue jaune? Il nous reste une seringue jaune, franchement, si on se démerde bien. On a plus de sang par contre, hein. Si on se démerde bien, on peut faire les deux greffes avec une seule seringue. Si on le fait bien avec la scie, qu'on fait ça bien. Et comment tu. Comment s'il vous plaît, comment je. Excusez-moi. Je voudrais.
Ah, il faut lui Ah, mais donner c'est un les anciens. dépôt! Il faut lui donner C'est un les anciens. dépôt! Passe par voilà, je récupère! Attrape! Voilà! Merci! Allez hop! Non, pas ici. Ici? J'ai un problème. Oui? Tu l'as mis où le bras? Alors, ça, c'est une très bonne question. Ah, il est là! Mais. Docteur! C'est pas par là qu'on valide? Attends, je voudrais mettre. Bon, bah. Ah, pardon. Bon, de toute façon, ce sera pas plus sale. C'est left arm à droite. Ah, c'est pour ça. Il y a un ordre. Ouais. Nickel. Ok. Bon, tu veux bien rentrer, toi? Il est un peu rigide, ce bras, là. Putain, mais... Faut qu'il soit plus mou que ça. T'es bon, t'es mou, là? Il est pas dans le bon sens. Ouais. Ouais, c'est bon, ça t'en a deux. Ok, alors... Yes! Voilà. Tiens! Hop là! Ok. Et puis tu me récupères ça aussi. Très bien. On va lui mettre ça. Ici. Hop! Merci bien. Oh, ils sont beaux. Besoin d'une scie? Oui, merci. Mais on sait jamais. J'ai pris les scies, j'en ai plein. Ok. Alors, il va falloir être malin, hein, parce que. Tiens, s'il veut se refaire une beauté, je te donne un pinceau. Merci voilà. bien. Il va falloir être malin. On a une sur. En vrai, ça peut le faire. On a une seringue pleine et une quasiment vide. Ok, bah la pleine, moi ce que je fais c'est que je pique au moment où tu procèdes okay. ouais. au changement. D'accord. Avec la pleine. Tu es prêt? Ça dépend. Tu veux pas juste arracher? Tu veux couper pour que ça aille. Ok. Ah. Attends, je check. Il perd un peu de sang. Je sais pas si ça vaut le coup de piquer. Oh, puis merde! Top! Top! Nickel. Pas plus que le bord. Nickel. Donc tu auras, quand tu auras plus de seringue, il y aura celle-ci. Je te la laisse là. Ok. Raté. Très bien. Bon bah faudra l'attraper. Ok, bah bonne chance pour moi. 800 de blood. Hein. Là. Ok, ok, je l'arrache. Tu m'as poussé! ml de sang dans son corps. Ok, il faut surtout pas se tromper de bras. C'est quel bras ça? C'est effectivement le bras gauche ça. Le droit. C'est le bras gauche, il y a le pouce. Oui, pardon, oui, c'est ce que je veux dire. Je suis trompé de ma droite tête. Attends, on va poser en même temps à la limite. Attends. Ok. Pour l'instant, ça se passe vraiment très très bien. Bon, faut pas qu'il soit à l'envers. Non, mais ça va se faire tout seul. T'es prêt? Ok, je suis prêt. Il perd du sang ou pas? Non. Ok, ça va alors. T'as fait une petite bêtise. Hop! Allez! Ouf, une opération un peu compliquée. Eh bah, nickel. Il a quand même perdu sa tête, il a perdu. Il a eu des jambes à la place des bras. Non mais ça s'est passé comme sur des roulettes. Ouais. Ah, ça s'est bien passé. Si vous avez besoin, hein, on sait jamais, une opération chirurgicale ou quoi que ce soit, sachez que on peut le gérer. Même si vous avez besoin qu'on retire votre tête et qu'on vous la remette, c'est possible. On peut tout faire. Si vous voulez des jambes à la place des bras, on peut le faire. Il faut perdre... Tant que vous avez l'argent, on peut le faire. Perdre au moins 2000 ml de sang, oh, c'est pas notre style. C'est pas forcément notre style de chirurgie. Alors, il y a une seringue de sang ici, ce sera pratique, je pense. Il y a une scie, mais attends, où est le bloc? Et quelle est l'opération du patient? Je ne sais pas, ici il y a des bras, il y a un intestin. Oh non, pas un intestin, attends. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de matériel. Il va falloir qu'on remplace tout ça, là. On peut passer du matos là-dedans, dans la... Ici on a des bras mais je sais pas s'ils sont en bon état. Mais ils sont au réfrigérateur. D'accord.
Faudrait pas casser la chaîne du froid. Si vous faites cuire, attention à bien veiller à faire cuire des deux côtés. Ce serait terrible. Ah bah comment on ouvre? Je sais pas. Pour l'instant, je passe des outils dans le trou. Attends, je monte. Vas-y. Ah, il faut qu'on donne un bras. Bah, va dans la chambre froide. Ok. Moi, je vais y aller au pire. Je rapporte des outils. Julian. Je ah, mais il y a des tiroirs là. Il y a quoi dans les tiroirs? Les dossiers. Seringue jaune, ici. Ah, t'as pas été chercher le bras? Non, pas encore. Alors, attends, j'y vais. Alors, bah, je vais prendre n'importe lequel. Voilà. Hop celui-là, là. Celui-là m'a l'air très bien. De mon temps, on utilisait des cartes pour ouvrir les portes, mais bon. Alors, est-ce ouais, que ça vous va? Est-ce que tu vas foutre ça? Ah. Ça vous va si je mets ça là? Ça lui va. Okay. Bah, il est sympa ce bureau. Oh, un dog! J'ai pas mangé. Super, mais c'est pas le but. Oh, je ne peux pas l'atteindre. Ah, c'est bon! Oh! Ok. Ah, ah oui, d'accord. Et la porte du bloc, comment on l'ouvre? Comme ça. Et voilà. J'ai fait passer des outils ici. Alors, attention. Top chrono. Ah mais il y avait déjà tous les outils ici, ils sont cons. Alors il a besoin d'un remplacement de la jambe droite, du bras gauche et des intestins. Oh là là, mais qu'est-ce qui a pu bien se passer, c'est vraiment de la merde. Alors attends, c'est gros intestin ou c'est tube digestif ça? Ça m'a tout l'air d'être le gros intestin. Hein. Attention à ne pas se tromper cependant. Oh ça se prend ça non? Ça ah ouais il va ça peut-être... Se prend. Ah, les côtes? Peut-être les côtes, hein. Je vais lui retirer les côtes, en plus ça le fait pas saigner les côtes. Hein. Non. Vous êtes prêts? Vas-y. Ok. Voilà. Hop là. Voilà. Et la... Voilà. Hop là. Ensuite. Au niveau du sang. Seringue jaune. Ah, on n'a pas de retour sur le sang? On n'a pas... On a un bilan quelque part? On a un bilan ici. 5600, ça va. Il nous faut une seringue jaune. Une seringue jaune, elle est pas loin, elle est là la seringue jaune au cas où. Je te la donne, tu t'en occupes? Je vais tirer hein, tu t'apprêtes à piquer? Attends, je le prends bien. Je vais tirer d'un coup sec. Attends, attends, je l'ai très mal prise, je veux pas qu'il arrive la même chose. 4, vas-y. 3, 2, 1, j'arrête. Tire bah. Oh putain, je vais tirer. Ah! C'est bon! C'est bon. Il perd pas de sang. Ah, t'as fait ça tellement bien qu'il a pas perdu de sang en fait! Bah non, c'est un coup sec! Faut le coup de main hein! Ah putain, c'est. C'est beau! Alors là, le truc c'est que maintenant. Ok, bras gauche. Bras gauche. Ah, on a. Alors, on a une scie. On a une seringue jaune après. Il y en a trois, ouais. On a une scie. On a une scie, mais on a aussi de la force. T'es vraiment un putain de bourrin. Bon bah vas-y, attends, je vais prendre une seringue jaune. Parce que moi, à un moment donné... C'est terrible si quand même des... Il veut pas si je fais de muscu, c'est pas pour rien. Hein. Putain. Vas-y, je suis prêt. Attention. 3. 2, je tire maintenant. Continue. Stop. Pas plus haut que le bord. On est bon. Et il nous faut la guibole droite. Attention. Guibole droite, j'arrive. Je n'aurai pas assez dans celle-ci. Vas-y. Attention, on masse la cuisse avant de procéder à l'arrachement. Ça le fait vraiment bien. Ça fait vraiment bien. 3, 2, c'est encore du bluff. Hop là. C'est bon. Oh, pile ce qu'il fallait. Eh ben, il est en bon état, le garçon. Nickel. Alors, bon, ouais, il est bien, le garçon là. Est-ce qu'on a les trucs? Ah faut... Bah tu peux me les passer. Ah mais attends, on veut lui redonner du sang en plus. Oh bah allez, en plus quoi. C'est ah oui, faut pas qu'il perde bon. Plus de 2000 du coup là. Est-ce qu'on a... Il est à combien? Ah je sais pas. C'est bon, il a 3000. Je vais en redonner en plus encore. Et c'est sa jambe. Ça a l'air d'être sa jambe. Le bras est où?
À propos du bras. T'as pas trouvé le bras? Ah, tu veux le bras à l'ancien? L'ancien bras, oui. Attends, regarde, j'ai dû le foutre quelque part par là. Ah oui, il est là, sous le tabouret, oui. Alors... Ah, c'est pas compliqué, normalement. Bon, tu vas y arriver. Je l'ai. Ok, tout est là. Ah merde, les côtes! Y'a plus qu'à faire les échanges. Oh, les côtes, ils se démerdent, hein. Y'a des gens qui vivent sans côtes, hein. Je crois pas. Ouais, mais que je la sonne, hein, voilà. Allez, yes. C'est pas marié, oh, ça. Est-ce que je la replace? I'm sorry to report that this area is not set up as intended. Je vais mettre des côtes sur lui au cas où. Ça, c'est le bras gauche. Ok. Je te passe les nouveaux. Ok. De toute façon, je peux mettre ça tranquille. Oh, il est tombé par terre. J'espère que c'est propre par terre. Hein, parce que... Oui, oui, j'ai nettoyé. Très bien. Et ça, c'est la jambe. Droite. Ah, merde. Voilà. Ça se passe très bien pour l'instant. Ok. Voilà. Voilà. Merci. Son gros intestin. Ouais, j'en ai mis un nouveau. Il est beau d'ailleurs. Ah merde! Mais il perd son autre jambe ce con! Mais j'ai pas touché! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas touché! J'ai pas touché! Sur un jaune? J'ai pas. Oh. Non? C'est bon? C'est bon! Mais putain! Mec, j'ai frôlé. Le chirurgien. J'ai à peine touché. Je l'ai pas touché. Non mais c'est on bon, est prêt à. Bah, non, ah bah t'as vu le gros intestin? Non. Oh, on dirait vraiment une belle saucisse. Attention. Nice healing. Ouais. Voilà. Oh là là, ça s'est bien passé. On aurait dû lui redonner un peu de sang avant qu'il s'en aille. Oh, il se démerdera en réanimation. Il en trouvera tout seul. Putain, on est fort en vrai. On va être un peu les boss de ce jeu en fait à sa sortie. Quand le jeu va sortir full, bah on va faire toute la campagne en une heure en fait, et voilà, c'est tout quoi. Vous êtes trop fort en fait. Oui, non, mais je vous l'ai dit. Y'a oui, aucun doute. Please forgive the interruption at the end of the last surgery. That was Dr. Nima Chandra. J'en ai une bonne cohésion avec les seringues. C'est du beau travail. Vous savez, tout est très naturel, hein, finalement. Pourquoi ça cache ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc ici? Oui, on pourra passer. Regarde. Voilà. Oh. Ah, j'aurais peut-être dû retirer la grille. Ça c'est notre ouais, parce que niveau escape game et tout on est plutôt pas mal non plus. Oh 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 ah. Qu'est-ce qui c'est quoi ça Amazon? Deposit fuse into fuse box to restore power. Ok, il nous faut un fusible. Bah j'en ai un là, mais je vais l'arracher en gros si je fais ça. Tu le veux? Je le ramène si tu veux. Je dirais que oui. Ça que tu veux? C'est ça que je veux. Faut les mettre là-dedans, là, ouais. Alors, ça, après, ouais, ça, là, ça ouvre là, par exemple. Oh, oh, y a tellement de choses. Oh. Waouh. Waouh. Qu'est-ce que c'est? On a de l'estomac, du poumon, des côtes. C'est quoi, ça? Des cervelets, des cœurs. C'est un faux filet? Ça, c'est... Je sais pas, mais c'est délicieux. Ça, avec un peu d'huile d'olive au fond de la casserole, à feu doux. Eh, on n'en aura pas besoin de 5, on peut en ramener un à la maison, non? Dans les glacières. J'ai une glacière juste à côté. Non mais mec, hey, franchement... je te mets des herbes de Provence là dessus avec une sauce au poivre. Tu me diras des nouvelles. Hey, fous-moi un dans la glacière. Fous-moi un dans la glacière. On se met de côté celui-là. Attends, non mais c'est bon là. C'est un foie, c'est très bon le foie. C'est bon le foie là, hop. Voilà. On fait notre marché. Tu me gardes de côté. Vous me mettrez un peu de cervelet là. Non mais c'est bon, attends, si on fait ce métier, c'est aussi pour avoir ce genre de petit plaisir. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Je vais tirer. Oh, du pain pour faire un sandwich. Du pain de mie. Bah parfait. Sandwich au foie. Une tranche de pain. Si je retire, on a quoi? On a de la mayo avec? Oh.
Ah, c'est pour renvoyer des trucs. Je t'ai fait un sandwich. Genre, en gros, là, on amène. Et ensuite, on repart. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui doit être dans la réserve pour envoyer des trucs. En mode, alors j'ai besoin de ça, ça. En fait, t'es en cuisine en mode. Ouais. Bon, il a pas voulu de mon sandwich. Tant pis. Pardon, t'as pas vu le sandwich. Il a pas faim. Excuse-moi, j'ai des vies à sauver. Le patient, comment on l'amène là? Comment on démarre? C'est quoi ça? Ah bah, il y a rien là. Ah, il va bien sortir par ici le patient là. Il y a rien. Ah, le gros bouton. Ah oui. Hop. Vas-y. Alors. Nickel. Qu'est-ce qu'il lui faut? On sait pas. On n'a pas d'écran pour le monsieur, on sait pas trop ce qu'il lui faut. Peut-être qu'on doit faire nous-mêmes le diagnostic. Ça se trouve, on doit juste prélever des éléments et les mettre de côté. Alors attends, comment on diagnostique quelqu'un qui a des problèmes? Moi, pour moi, tout a l'air de bien aller. Après, j'ai envie de lui retirer quelques petits trucs pour voir un peu si vraiment tout va bien, quoi. Je vais... Non. D'accord, bon, je relâche. J'ai pu tirer comme un malade, là. Non. Attends, je cherche le marteau. Bon, si je trouve pas le marteau avant 30 secondes, t'as le droit de tout lui arracher. Ah. À nous deux, tête de con. Je te préviens que si dans 5 secondes il est pas revenu, je tire. Attends, parce qu'il y a une salle qu'on a pas fait. Attends. Vraiment, il y a une salle qu'on a pas fait. Ça peut être une bonne idée. Oh merde. Oh. Oh, je suis un connard. Mais. C'est une blague. Link, regarde. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Regarde ça. Mais non. Mais putain. Oh merde, bah voilà. Voilà, c'est perdu. Écoute. Pour tu moi, veux là, pas de mon cadeau. Je considère que c'est perdu, Damien. C'est fini. Voilà, le patient a perdu trop de son cul. Hey, c'est moi le patient, je dors. Putain, c'est terrible. Comment t'as mis le putain de fusible? Ça a pas marché, moi. Ah ben, il y a un geste technique à avoir, hein. Ah ouais. Parce qu'il y a une salle qu'on n'a pas fait, et je pense que dans cette salle, il y a des trucs. There we go. Par contre, on n'avait pas d'infos sur la mission en cours. Bah, ouais. Moi, je veux bien démarrer le bousin, là, ouais. Mais... Non, je sais pas trop quel est le... Quel est le principe. Julian. Ok, ça allait. Attends. Pourquoi c'est where? Y'a pas de fusible. Bah, si, ici on a le droit, non? Bah, avant on avait pas le droit. Ah ouais, t'as raison. Bon, écoute, tant c'est mieux. C'est pas normal. Tant mieux. C'est plus facile. Je vais chercher le fusible. Il faut prendre la grille. Oh. Please pretend you're not seeing this. Oh putain, j'allais faire un prank, j'allais te ramener un rouleau de PQ de ce pas là. Merde, je me suis retrouvé tout con. C'est juste, il met du temps. Ah, effectivement, c'est par ici. Oh, on a la réserve de seringue qui est ici. Par ici, on et on a le scanner de diagnostic. Où qu'il est? Dans la salle là? Ouais, je l'ai. Ok. Voilà. Tiens, faudrait prendre toutes les seringues. Ça, on fera moins de chemin. D'abord, diagnostiquons. Oh putain de. Purée à la con. Bon, merde. Ah! Allez. Allez hop. Ah mais c'est très chiant. Il se met pas tout seul. Oh fais chier. C'est diagnostiqué là. Il me diagnostique moi là. Attends. Je vais bien moi. Regarde moi. Ah attends, l'écran est de l'autre côté. Ça va dans quel sens? Je sais pas. Comme ça je dirais. Ah, je vois le patient à l'envers. Bon bah. Bah écoute. Putain, j'arrive pas à le mettre. Vas-y, essaye toi. Non mais regarde, c'est pas compliqué. Bouge pas. Hop.
Voilà. Regarde. Là, t'es bien. Bon, bah. Tu vois? Alors. Un problème d'estomac, visiblement. Hein. L'estomac, le cœur et la jambe gauche. Estomac, cœur, jambe gauche. Attends, je vais essayer de le poser pour qu'on l'ait constamment affiché. Vas-y. Je vais aller voir. Je vais dans la réserve. Non, c'était parfait. Alors, estomac, cœur, jambe gauche. Bah, c'est un boss. Ça, c'est une jambe droite. Faudra pas le faire tomber, par contre. Je t'envoie dans la depuis la réserve. Là, tu vas pas dans le bon sens. Oui, effectivement. Je t'envoie le cœur là. Oh putain, mais c'est une tartine. Mais lui, la tartine. C'est bon, je te l'envoie. On a dit aussi un estomac, ça ressemble à quoi? Oh, qu'on met la balance, le bordel. Oh! Oh, je l'ai rattrapé au dernier moment pour pas que ça tombe par terre. Je t'envoie la jambe gauche. Je t'envoie de la force. J'espère. Ok. Ouf. Non, ça, mais je suis chirurgien là. Oui, c'est un. C'est ça. Pour les trucs qu'il faut chirurgien. C'est un estomac, on a dit? C'est pas un estomac, ça, c'est le gros intestin. Où est l'estomac? Tu sais à quoi ressemble l'estomac? C'est ça. Ça a une couleur beaucoup plus brun. Ah. Je suis pas sûr d'avoir envoyé le bon truc alors. Si, c'est l'estomac. C'est bon? Ok. Le truc, c'est que c'est tombé par terre. Va pas falloir être regardant sur le contrôle qualité, quoi. Bon, d'accord. Tant pis. Ok, alors. Mon tatou. J'ai les trois saucissons. Il a combien? Il a 2800 de sang. On peut lui donner encore deux bonnes seringues de sang, tu les as? Je vais chercher les seringues là. Ah, bah attends, je vais en chercher une avec toi. Tu es un peu trop gourmand là. J'en veux plus. Il est en danger. Je vous dis qu'il est en danger. Est-ce qu'il en a besoin d'une autre? Il en a Ouais, vas-y. Oh oui. Allez, ça fait du bien. Fais juste pas tomber le scanner par pitié parce que j'ai eu du mal à le poser. Ok. Tu peux même lui remettre une demi-seringue si tu veux aller jusqu'au bout. Mauvaise jambe. Non. C'est la jambe gauche qu'il nous faut. C'est une jambe quoi que t'as, nos amis? Bah. Non, c'est bon, c'est une jambe gauche. Jambe gauche? Vous êtes nuls ou quoi? Oui, c'est une jambe gauche. Allez, ils y connaissent rien, on a d'atomie. Laissez faire les pros là, les gros nuls. Eh là. Les cons, alors on a pas son diplôme de chirurgie? Ouais, et oh les cons. Ah, une seringue jaune, tu prends? Je prends. Et tu peux me trouver une scie? Une scie, j'avoue que ça ne me dit rien, une scie. Je vais regarder. On va chercher une scie. Attends, déjà. Ah, si, ici, ça doit être là. Au congélo. Oui, j'en ai une. Vas-y, je vais chercher. Toi, prends une seringue jaune. Prends le marteau, un marteau. Toi, tu vas taper ta maison. C'est vrai que toi, tu n'aimes pas les outils. Si, justement, j'ai demandé une scie. Et là. On peut faire les choses dans les règles de l'art. Ok. Je suis sûr que si on fait dans les règles de l'art, ça va moins bien se passer. Attends, déjà, on va commencer. Voilà. Précision. Professionnalisme. Maître mot dans mon travail. Et surtout avoir ces outils au bon endroit. Voilà. Alors, ne pas faire là, les outils. On les repose, le marteau c'est fait, on retire les côtes. On prend une dernière seringue jaune par sécurité pour le patient. On les met dans l'évier, on fait tremper 30 minutes avant de faire bouillir. Voilà. C'est la jambe droite qu'il faut remplacer. Link, on a un gros problème. Hein? On a plus d'eau chaude pour nettoyer les côtes. J'ai beau tourner le robinet. Les côtes seront jamais propres. C'est vrai qu'elles sont un petit peu dégueulasses. Je vais mettre le savon. Mets-y le savon et puis. Voilà. Puis on attendra que ça fonde. Alors. Qu'en est-il du bilan? C'est la jambe gauche à remplacer. Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Je vais l'éponger. Vas-y. Je fais la vaisselle. Fais mousser. Ça mousse, ça mousse.
Parfait. Bah, c'est bien propre tout ça. C'est parfait. Ensuite. Alors on commence par quoi? On commence par la jambe gauche, je la dirais. Jambe gauche. Putain, le chat, ils ont redit, hein. Genre, mais c'est la droite. Oui, sur le dessin, elle est à droite, effectivement. Oui, mais du coup, c'est la jambe gauche. Alors attends, est-ce que ma clim se pète la gueule? Je suis à toi dans je m'occupe une seconde. De la découpe. Si j'arrive à. Ok. Je suis en sueur. Allons-y. Je m'apprête à découper la jambe gauche. Tu vas découper la jambe gauche. Je prends ma seringue jaune. Ok, là, le sens de la découpe est parfait. Adieu. Oh là, attention, j'ai pas commencé. Hein. Vas-y. Je ne sais pas ce que je fais. Tire. Tire. Tire sur la jambe. Tire sur la jambe. Ok, on abandonne la scie. Et... Oh, non, le scanner. Oh non. Ça n'a pas suffi. Mais si, parce que c'est juste qu'on a plus le scanner, donc il nous dit pas... Oh, on sait pas du coup si ça a suffi. Mais non, mais si, ça a suffi. Scanne-lui sa mère. C'est bon? Je sais pas. Attends. Alors, ça va? Bah, il serait mort de toute façon si ça allait pas. Oui, ça va. Ça va. Ok. Alors. Il a perdu un peu, mais ça va. Scalpel, s'il vous plaît. Alors. Oh, scalpel, vous dites. j'arrive dans une minute. Le cœur et l'estomac. Merde! Je l'avais posé là? Qui a touché à mon cœur et à mon estomac? Merde, c'est par terre! Oh, faudra pas lui dire. Scalpel, ici. Attends, ça, on va en profiter pour. Tu vois, comme ça c'est fait. Voilà. Ah bah voilà. Et bah, ça, un rejet! Il y a eu un rejet! Putain de merde! Il y a eu un rejet! La greffe t'a pas pris, la greffe t'a pas pris. Je retire, je remets. C'est bon. Oh, il a perdu du sang. C'est pas grave, c'est encore 2800. Ok. 2800. T'as encore une seringue de sang? Va donc lui remettre un coup. T'as des seringues jaunes ici, c'est bon. Scalpel, t'as dû le mettre, tu l'as mis là. On va tâcher d'être précis. Déjà, si j'arrive pas à estimer les distances, ça va être chiant. Ok, il a pas rejeté, c'est bien. Maintenant, attaquons-nous à la partie un peu plus difficile. Alors, c'est-à-dire. Ah, mais c'est pas. Mais c'est pas. Attends, c'est pas. C'est pas. Si, c'est bon. C'est pas quoi? C'est bon. On est bon. C'est le cœur. Par contre, là, il faut retirer pas mal de choses, hein. Bah là, pour accéder au cœur, il va falloir que je. Bon. Ok. Quand pique, faut y aller. Pique le. Je me tiens prêt. Faut y aller. Ouais. Ok. Ça saigne? C'est... Ça saigne pas. Mais... Ouais, je sais okay, pas quand est-ce que ça se décolle, mais. Vas-y. Ok. Vas-y. Oh, je serais plus à l'aise de l'autre côté. Tu as l'air très à l'aise, effectivement. Oh, mettez-moi du Brassens dans la salle d'opération, je serais plus à l'aise. Et là. Attention. Et. Et. Oh. Oh. Mais. Vas-tu. Nickel. Oh! Ça va pas se décoller! C'est collé! C'est bon. C'est ok, on attaque le cœur. Bon. Vas-y. On attaque le cœur. Attends. Attends, est-ce que vous me poussez? Me poussez pas. Ah, pardon, je vous pousse. Vas-y. Voilà. Oh, il est loin. Et cette. Oh, bien joué ça! C'est bon! Le cœur est ouvert. Oh là là, la seringue okay. Jaune, je l'utilise. Tu peux procéder au remplacement. Ah. Alors, où est le... Ici, le normalement. Là, mais c'est... pas ouais, du c'est tout cœur. Un endroit pour garder un cœur. Mais le... c'est dégueulasse. Il y a l'estomac à côté aussi. Hein. Parfait. Nickel. Je reprends ma...
seringue. Prêt pour la suite. Peux-tu atteindre, tu penses, le sans enlever le gros intestin? Atteindre l'estomac sans enlever le gros intestin? Écoute, c'est une opération délicate. C'est réalisé par très peu de chirurgiens. C'est très délicat, mais je pense que tu peux le faire. Je me sens de le faire. Vous tremblez un peu, par contre, hein. attention. Oh, ça touche. Oh, bien joué. Chirurgical. Oh, c'est bien joué. Chirurgical. C'est vraiment bien joué. Ah, il a perdu une quantité infinitésimale. Je tiens vraiment ce scalpel comme un maître japonais. De mon côté, c'est pas vraiment le cas, mais je suis sûr que tu le tiens très bien. Moi non plus. C'est un microbe qui tient un truc. Franchement, là, c'est parfait. Hein. Vraiment, je vais lui mettre le nouvel estomac, mais on est vraiment... Attends. Non, c'est... Ouais. Non, c'est... Non, c'est... Pour... Non, je vais récupérer. Je... Arrête de le frotter partout. C'est moi qui le mets. Wow. Oh, mais non, mais c'était trop facile, putain. C'est vraiment scandaleux à quel point c'est simple finalement d'opérer quelqu'un. Pourquoi on fait de grandes études pour ça? Il a rien perdu, c'était trop clean. Mais là, même les devs sont en mode what? On s'attendait pas à ça. 13 minutes 49, oui, mais c'est parce qu'on travaille bien. Ici, on travaille oui, voilà, correctement. On n'est pas pressé par le temps, juste c'est la sécurité du patient qui prime. Je pense que la famille préfère qu'on perde du temps à s'appliquer plutôt qu'à faire tout dans la hâte. Et je crois qu'il n'y a plus de level dans la bêta. Sauf des levels de la communauté. Ah! Oui, bien, allons-y. Alors là. Ça va peut-être être beaucoup plus difficile. Nos bobs, évidemment. Allons-y. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander, là? Bonjour, Bob. Juste un bras gauche? Bon, ça, c'est une opération très simple. Ah, attends, mais il y a un piège quelque part, il a combien? 2200? Ouais, on va lui rajouter du sang, hein. Vas-y, on va s'y mettre à deux. Hop. Honnêtement, bon. Pour moi, ça sent la couille cette histoire. Il y a anguille sous roche. Mais putain. Oh là là. Je lui apporterai sa côte. Je suis un peu piqué dans la jugulaire. Ok. 4000. Bob is sick. Ouais, bon. Oh, Bob est malade. Bon bah. Et alors, qu'est-ce qu'il a, Bob? Je vais chercher une seringue jaune, puis on passe. On passe à l'action, hein. Je veux dire, bon, y a pas grand-chose, c'est pas compliqué. Bah ouais, mais alors où est le nouveau bras? Oh, on s'occupera de ça plus tard, arrache-lui. Ah, très bien, bah écoute. Bon bah écoute. Oh, vas-y. Je vais tirer. Vas-y. Vous êtes prêts, Bob? À la une, à la deux, tout de suite. C'est bon. Oh, encore une belle journée de boulot, là, qui oublie de leur donner son nom. Mais qui rentre chez lui dans la bagnole, là. Bras gauche ou droit? Bras gauche. Bras droit. Droit, du coup? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Bob qui a cassé des trucs? Qu'est-ce que vous avez fait, Bob? On vous a entendu, hein. Qu'est-ce qu'il a foutu avec ses côtes? Attention, pas de rejet. Bob, je vous laisse ça en souvenir. Oh, il a perdu son... Je peux lui remettre ça? Non. Attends, mais je crois que t'as mis le bras. T'as pas mis le bon bras, là? Il y a... Mais ça se trouve, il va pas s'en rendre compte. Ouais, mais... À un moment donné, je crois qu'il va quand même se rendre compte que son pouce n'est pas au bon endroit, là. Merde. Attends, on va faire un truc, c'est ni vu ni connu. Ah oui? C'est pas un bras droit là? Je vais arracher, tu vas tire, mettre? Tire! Hop! C'est bon, il a rien vu venir. Ni vu ni connu. Mais c'est toujours pas le bon bras, trou de balle! Mais si ils ont 15 000 bras droits dans leur truc, qu'est-ce que je suis censé faire? Mais surveille le bras, mais surveille le bras! Mais putain, moi je me dis si c'est pas l'un, c'est l'autre! Mais c'est un truc de ouf! Oh merde! Regarde où sont les pouces! Mais c'est bon, là, je le vois, le pouce est à gauche! C'est un bras droit! Putain!
On dirait un hôpital d'un pays du tiers-monde, là. C'est quoi ce bordel? C'est bon? Vas-y! Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est tout pété! Ah, ça veut pas. Ça veut pas? 2600! Oh, il a oublié un souvenir. Dommage. Bon, ça aurait pu bien se passer, mais au final, Ça bon, aurait au pu. final. Au final, c'est bien, c'est bien. Ah, Par contre, c'est pas fini. c'est pas fini. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oula, c'est pour faire de la grosse Ne chirurgie, t'approche ça. pas. Je comprends même pas le truc que Ouah! c'est quoi. Ouah! Ouh! C'est un balai. Wouhou! C'est une béquille. Oh, un bouton! Oh putain! Qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, oh, je veux monter, je veux faire du parcours là. Comment? Ah, ça va moins bien se passer sans. Comment on va y accéder? Comme ça. Ah. Attends, Ah. c'est chiant là. Voilà, comme ça. Ok, on est bon. Attendez, il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi ça? Ah, en gros, t'es passé. J'ai un truc. Qu'est-ce que... Et je tire, mais... Tu peux ramener jusqu'ici? Vas-y, tombe! Tire avec! C'est coincé? Oui. Ok, Ah. pousse-le jusqu'au bout. Oh merde. Va voir, c'est bizarre. Je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que... C'est un peu étrange. Bah non, c'est bon, je suis passé. Oh, bah oui, mais en fait, on aurait dû tirer et l'autre y passe. Je sais pas comment t'as fait là par contre. Je suis dans une autre salle. Ah, mais je peux pas te suivre. Comment je fais? Qu'est-ce que je peux Ah, c'est faire? quoi ça? Oui. Qu'est-ce que... Ah! Oh là! Oh Tire. alors là! Mais c'est quoi cette... Ah, t'es où là? Qu'est-ce que c'est? J'ai tiré un truc là, regarde! Ça a déplacé Ah ça? oui, ça c'est bien. Maintenant, même chose ici. Veux-tu l'attraper? Je suis coincé, t'es derrière moi? Non. Ok. Je retire ça. Ça fait rien? Oh. Il y a besoin. Bah ça fait rien. C'est normal, il n'y a pas de courant. Faut aller chercher le fusible dans la salle d'avant. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Il faut que tu ailles chercher le fusible dans la salle d'avant, sinon on pourra pas passer. Je pense qu'il faudrait prendre Parce le qu'il faut. fusible de la salle précédente. En vrai, ça va donner juste de l'électricité parce que sinon, en fait, sans électricité, le vide il peut pas marcher. Voilà. Je pense que si on met le fusible, ça marchera peut-être. Oh bah. Si Qu'est-ce c'est que tout c'est que cette histoire? ouvert. Moi, on n'est plus dans de la chirurgie Je du tout reconnais, là. ça c'est un interrupteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que. Ça manque de courant cette histoire. Ah, donc peut-être. Ah, faudrait aller chercher un fusible. On va aller chercher le fusible qui est dans la salle précédente. Ouais. Ah, j'arrive pas à comprendre l'énigme. On va essayer avec le fusible. Essaye de prendre le fusible de la salle précédente pour voir si ça résout l'énigme. Ok. Ah merde. Oh, il y avait un fusible par terre. On n'avait pas besoin d'aller dans la salle d'avant. J'ai un fusible là. Ok, Mais. tente de le mettre à l'emplacement du fusible. C'est-à-dire. Ah là. Ok, je l'ai mis. Ok, je vais tirer.
Vas-y. Ah. Et maintenant je vais tourner. Ouais. Ok, dans l'autre sens. Ça fonctionne. Ah. C'est bon. Ah, il y a plein de bras et de jambes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouh. Oh là. Oh. C'est un trafic. C'est Amazon. C'est un véritable trafic d'organes. Bah oui. Bah c'est sombre cette histoire. Oh. Je rigole, j'ai pas eu peur. C'était pour le bien de la vidéo. Le squelette commençait à bouger en l'ombre. Je me suis dit, mais il y aura un problème. Ah, oh, il fait de la on musique. A les numérotations des... Ah bon? Ouais. De la musique? Ça a fait du bruit avec ses côtes, ça fait... Ah. Qu'est-ce que... Pas s'échapper par ici. Pourtant, un tel parcours mériterait une échappatoire. Bizarre qu'on ait eu une mission si facile et qu'ensuite on soit passé dans des endroits secrets comme ça. Attends, mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde et qui c'est celui-là sur le cadre? Attends. On nous cache des trucs. Je vais mener l'enquête. Ouais, ça marche bien, ça. Mm-hmm. Ouais, Y a-t-il quelque chose de... Bizarre. Ouais. Regarde ça, là. On vient d'ici. Très bien. Ouais. Ah, c'est quoi, cette histoire? Ouais. Hop, hop, hop. J'éclaire, j'éclaire. Ouais. Oh, on arrive là, hein. Hey. Oh. Ah. Plus de jus. Fusible, il faut un fusible. Il faudrait un fusible, je pense. Ça ressemble à quoi, un fusible? Alors où est-ce qu'on pourrait trouver un fusible? S'il y avait peut-être un autre truc d'électricité, on pourrait retirer le fusible. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, on va en avoir besoin, c'est le scanner. Oh, tiens, 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 tiens. Ah, par contre, il y a pas grand-chose. C'est quoi ça? C'est des scalpels. C'est pas... Ah. C'est pas un fusible. C'est un fusible. Voilà. Alors, à qui on va avoir affaire aujourd'hui? Regardez-moi les yeux. Allez-y, allez-y, ouvrez bien grand les yeux. Merde. Aucun réflexe, le patient est mort. Ah, il faut qu'on aille voir. Putain, attends, le scanner. Sinon, on saura jamais ses problèmes. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est plutôt fort, on pourrait très bien trouver tout seul, mais bon. Ah, je pourrais faire un diagnostic moi-même, mais bon. Je les note du patient. Elles ne disent pas grand-chose, si ce n'est qu'il a un problème à la tête. Oh là là, je crois qu'on va devoir travailler sur la tête. Ouh là là là. Problème à la tête, problème de bras droit et de jambe gauche. Où est-ce que je peux poser... Mettez-le moi... Parce que je peux le faire comme ça, mais ça m'arrange pas. Alors je regarde... Attends, je peux peut-être... Ah oui... Oui, là, oui, c'est pas mal. Non, c'est trop loin. Trop loin, ça détecte pas là. Dommage. Alors, faudrait que j'arrive à lire, mais ça tremble dans tous les sens. Est-ce que je peux. Là, sur la table. Attends, sur la table. Je vais te débarrasser tout ça. Merci. Parfait. Ah. Sur la table, c'est très bien. Alors, non, on a un remplacement de l'intestin et du gros intestin. Ah, super, oh les notes du patient. Qu'est-ce que. Il a bougé le bras. Il est vivant. Monsieur. Il est vivant. Monsieur. C'est très grave s'il est vivant. En fait, espérons qu'il soit vivant. Du coup, gros intestin. Dans quelle position t'es là? J'essaie de le mettre bien au bord. Sinon, il détecte plus. Ah, ok. Il nous faut du coup trouver.
Alors, il me faut des seringues de sang. Et des seringues anti-hémorragiques. Ah! Oh! Bah, c'est très bien ce que tu nous as fait là. Alors. Ah! Ok! Toi, tu dois pousser. Voilà. Et Ok. moi, je dois faire Vas-y. avancer le truc Donc il nous ou faut quoi? reculer. Intestin, gros intestin? Ouais, mais il nous faut aussi des seringues de sang. Il nous faut intestin, gros intestin. Ok. Ok, c'est comme la fête foraine, hein. Bah, t'as réussi toi-même à... Ah non, c'est moi qui ai poussé. Tu nous prends tout en fait là, en gros. J'ai tout. Ok, ça on a. Ça Attends, on je reviens en a. arrière. Y a pas de seringue? Non mais on a tout. Ah, Enfin, là, on il y a a les. peut-être de quoi. On a les deux Là, trucs. regarde. Vas-y. C'est Vas-y. vraiment la fête foraine. Là, on a pas mal de trucs, hein. Bah on a tout hein, de toute façon. J'avais les deux trucs là. C'est bon. C'est tout? Gros Parce que intestin si et tu veux, j'ai intestin. encore un bras, hein. Tu vas gâcher après. Si tu veux, hein. Ok. Par contre, les seringues. Le truc qu'on n'a pas, c'est les seringues. Et ce genre Je l'ai fait d'opération tomber sans. moi-même, c'est bon. On a le bras. Ce genre d'opération, il a besoin d'un bras. Non, mais on a un bras. Putain. Alors attends, seringue. Où est-ce qu'on peut trouver? Parce que là, moi je suis désolé, je peux pas travailler sans seringue anti-hémorragique. On peut pas travailler Hein, dans ces conditions, hein. En vrai, c'est dangereux, c'est trop dangereux. Ils sont malades. Peut-être des seringues en rab dans les tiroirs. C'est Ah! quoi? Bingo! Seringue de sang dans ce placard-là. Ah. Deux seringues de sang dans celui-ci. Et peut-être anti-hémorragique ici. Non, infusible. Mais déjà pas mal. Ok. Il va nous revenir en forme. Top. Allez, Bob. On a encore plein de choses à faire dans la vie. On va pas baisser les bras maintenant. Ça va croquer la vie à pleines dents après cette opération. Il a 3800, une petite de plus. Ouais, bah tu sais, hein, s'il en a en plus, c'est pas dramatique, hein. 4800. Au contraire. On est vraiment bien. Scalpel. Scalpel, scalpel. Mais on n'a pas de seringue anti-hémorragique là? Parce que moi je l'aime bien, hein. Je vais demander. Mais Je vais demander, je à reviens. qui? T'occupe. Je vais demander. Je vais voir. On doit en avoir à la réserve. C'est quoi ça? Moi j'ai trouvé que des seringues de sang. Hein. Déjà, on a le scalpel, c'est une bonne chose. On Bah, a. va falloir être chaud, hein. Va falloir remplacer direct. Ok, mais. Va falloir être chaud. Il nous. Faut que les côtes elles soient retirées? Ou. Mais Non, je pas me demande, forcément. je crois pas, hein. Non, non, bah non. Intestin, gros intestin, on peut y accéder sans On peut retirer y les aller, côtes. on peut y aller Enfin. directement. Bien. Je peux procéder au remplacement assez rapidement si tu veux, hein. Vas-y. Moi, c'est pas un problème, faut juste retirer les choses assez vite. Attends, je vais me mettre de l'autre Attends, côté pour mieux je vais voir. mettre les mains dans le cambouis puisque on va voir si ça se retire comme ça là. Bon bah Effectivement, écoute, ça se retire comme si on n'a ça. pas besoin. Il est où le nouveau? C'est là, je récupère, je mets, Ok. et voilà. Ça saigne toujours. Ensuite, Procès de ça saigne remplacement. toujours. Vas-y, tire-lui l'autre truc. C'est bon. Voilà, Ah ouais, démerde-toi. on l'a reposé de bordel là, allez hop! On le renvoie à sa famille avec une hémorragie interne. C'était une trousse ouverte le truc qu'on a foutu tout dedans, on a fait hop! Oh merde. Tu m'étonnes. Franchement, nickel chrome. On the roulette. On est bon parce que en plus. Attends, 6 minutes 30. Ouais, mais ça c'est pas grave. C'est toujours pas grave ça. Non, c'est SCD, vraiment. Moi, je suis pas payé aux pièces, je suis là pour sauver des vies. Voilà. On prend pas de risques. Pourquoi prendre des risques? C'est des vies, hein. C'est des vies humaines en jeu. Si on a fait ce métier, c'est pas pour l'argent, d'accord? Ah là, et on a fini. On a fini parce qu'on était très fort, quoi. Ça s'est juste très bien passé, quoi.
Ouais, déjà un gros V à Epic Games avec qui on est partenaire hein, pour sponsoriser cette vidéo. Merci Epic. Toute l'année, voilà, là, on va avoir On est frappé hein, toute des petits l'année, jeux ça comme ça va toute l'année. régaler. Epic qui régale. Et pas des jeux de merde. Et ça, c'est bien. Du Ça, c'est très bien. lourd. Eh, semaine prochaine, on a quoi? Horizon Zero Dawn. Voilà. Rien que ça, mesdames, Tranquillou, messieurs. tranquillou. Et là, on vous offre un bel écran noir, tout droit derrière Fego. Attends, Nickel je chrome. regarde à quoi ils ressemblaient juste les... Ah, parce que toi, t'as pas l'écran noir. Ah non. Eh, c'est une bêta. Ah. Ça régale, les Oh, bêtas. c'est la bêta, C'est putain, on cool, se putain. régale, les mecs, on se régale. Oh, je sais pas ce que c'est, les levels custom. Miskina, j'ai vraiment plus d'écran. Merde. Attends, je peux quitter. Si tu quittes mon lobby, ça va peut-être m'aider. Je quitte ton lobby. Ça y est. Ah, ça marche! Merci. Voilà. Bah, réinvite-moi alors. Oh, code créateur one kill! Putain, je l'ai oublié! Je l'ai oublié! Code créateur one kill! Bien évidemment. On est des ouf, eh! À chaque jeu du partenariat Epic, on met le code créateur one kill. Dès que vous prenez un truc sur boutique Oui, Epic, même, one kill! bien sûr. Voilà, en règle générale. Quelqu'un a déjà rêvé du code créateur one kill? Rêver? Bah mec, c'est tellement du bourrage de crâne ce qu'on fait que je pense que quelqu'un finit par en rêver. Sans, tu vois, ça a dû lui faire Tu peux bizarre quoi. passer le code créateur, le sel, s'il te plaît? Tu m'as réinvité. Non, mais je peux le faire, regarde. Tu veux pas? Hop, ça Tu me fait veux pas pas? peur, c'est Ouais, bon, peut-être que c'est tu fait. veux pas, je sais pas. J'hésite à éteindre ma clim parce que je trouve que j'ai un peu frais. T'as froid là? Un petit peu, ouais, c'est fatigué là. T'as lancé une mission? Non. Pourquoi on est dans une. Qu'est-ce qu'on. Pourquoi on est dans une mission? Retourne tout J'en sais lobby, non? rien. Retourne tout lobby. Ouais. Vas-y. J'espère que je vais pas être en écran noir. Parce que. C'est bon, ça marche. Nice. Alors, du coup. Discover, co-op. Je vais en prendre un qui est bien noté. Surgical Mayhem. Pas de description, pas d'objectif. Attention à ça. Donc ça, c'est un mec qui l'a créé. Ouais. Mais un mec qui a créé une map pendant la bêta. On dirait bien, hein. Oui, parce que c'est, je vois les pseudos des gens et tout. Bon, vas-y, on va l'essayer, hein. En vrai, j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais bon. Ce gros bâtard, il nous demande de tout remplacer. Et il lui donne 1 ml de sang. Ouais, je sens qu'il va y avoir des trucs un peu comme ça. Hein. Bon, on va voir. T'as froid. C'est vraiment de la pure provocation. Oui, c'était pour énerver un peu le chat. Après, moi, quand je me mets devant ma clim, là j'ai froid. Là. Ah oui, non mais Pour que attends. vous sachiez, là j'ai froid maintenant, actuellement. Moi, pour vous rendre compte, si je mets la clim sur moi, j'attrape un rhume. Hein. Ouais, J'ai voilà. bien trop froid. Vous aimeriez bien avoir un rhume là. Hein. Ouais. Moi, je suis en pull chez moi, personnellement. Hein. Ouh. Ah ouais, donc c'est même lui qui a créé la map, quoi, ça se voit. Oh bah c'est pas mal ça. Ouais, non, je vais pas être médisant. C'est pas mal. Ouais. Non, mais il a voulu bien faire. Est sympa L'important, le c'est gars. qu'il s'amuse. Ouais, il est sympa le gars. Ah! Alors, oui, évidemment, ce bâtard nous a pas donné le scanner, donc on sait pas ce qu'on doit faire. Ça t'aurait fait chier de nous donner le scanner? Et de mettre du matériel? Putain, oui, le scanner. On va quand même pas faire l'opération sans savoir ce qu'on doit faire. Il m'emmerde, hein! Scanner. Qu'est-ce que ça? Ah, c'est pour faire pipi? Ah non, c'est pour mettre les organes. Ah, on a une seringue anti-hémorragique ici. Seringue jaune? Ouais. Ok. Scanner au début de la map. Peut-être. Ok, Putain, effectivement. je. C'était vrai. Après vous, pardon. Priorité aux gens qui ont le scanner. En vrai, il y a des gens là qui ont pas de...
qui n'ont pas de ventilateur ni de. Pas de ventilateur, c'est chaud quand même. Parce qu'un bon petit ventilateur avec drap humide ou glaçon. Il y a des gens qui tentent cette expérience, genre. C'est chaud. Bah, vous êtes courageux. Alors, bras gauche. Et cœur. Et cœur, c'est de la routine. Bras gauche, cœur, c'est avec 1200 par contre. Un peu bâtard sur le sang. Mais je vois une seringue de sang de ce côté-ci. Ok, moi aussi. Donc j'en en fait, ai une. Ça va le faire. Ok, bah, va commencer par le piquer, je vais de l'autre côté là. Et tu nous ramèneras la seringue jaune directement au bloc. Je commence à voir le jargon médical. Au bloc. Il va déjà beaucoup mieux, le monsieur. Comment je monte? Ah ouais, petit bâtard. On peut pas passer par ici. Comment on fait pour... Ah, y a un... C'est un bouton, ça. Je prends la liberté de lui péter les côtes. Hein, je... Oui, vas-y. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi il a que 307 de sang? Il a eu un petit coup de mou, il est pas bien, il est un peu pâlot. Ah oui, 307 de sang, il a eu un gros coup de mou. Hein. Oui, bah ça va aller mieux, hein. Il reprend des couleurs là déjà. Donc, il faut que tu me trouves un passe blanc. Un passe blanc? Ouais, une carte d'accès. J'ai rien vu de tel, mais peut-être. Je sens que ici, l'autre, là, c'est un con et qu'il l'a caché dans un des tiroirs. C'est toi qui es daltonien ou c'est la bonne? Ou c'est pas la bonne? Ou ça y est, un passe blanc? C'est pas blanc, mais ça y est, un passe. Ah! Attends, faut appuyer sur le bouton. C'est daltonien. Non, mais. Je vais voir si c'est celui qu'il faut. Non, c'est un bleu. Oh, il fait chier, c'est merde! Que ça. Ah ouais, non, mais il fait chier, attends, parce que qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Attends, mais. Attends, retourne à l'intérieur. Ok. J'en étais sûr. Ouais, maintenant t'es bloqué. J'en étais sûr en fait. Genre vraiment, je le savais, mais je sais pas. Putain. Voilà. S'il vous plaît, docteur, vous avez besoin de moi. Vous avez besoin de moi, docteur. Si t'as le passe bleu, je t'ouvre. Je l'ai, okay, regarde. Je vais te poser une question, si tu réponds bien, je buzz. D'accord. Ok, attention. Capitale de la Chine. Beijing. Ah bon? C'est quoi cette ville? Pékin. Pékin Express, tout ça. C'est bon, laisse-moi passer là. Pékin Express. Pékin Express. Il est où la carte? Je pense qu'il faut ouvrir tous les tiroirs. Oh non! Avant que ce soit les mêmes. Putain, mais super. Parce que je vois que des dossiers à chaque fois que tu tires. Oui. Et de toute façon, en plus, ils se rangent automatiquement, donc on dirait que. Ça changera rien. Merde. Alors, la carte blanche. Attends, je vais regarder dehors déjà. La carte. Bleu. Bleu. Oh, faux. Comment t'es? Bah, il faut. Voilà. Ouais, mais bon, qu'est-ce qu'il. Faut être souple. Ah, on peut jouer aux échecs. Ah, j'avais même pas vu. Ok. Bien solide ces pions. Carte bleue! Ah la salope. Oui, il a quoi? Tac, 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 tac. Allez, je vais tout faire. Super, on a un bras. Et on a le cœur ou pas? Attends, ah oui, on a le cœur. Et on a aussi des saucisses. On va pas les mettre saucisses à la place du cœur. Des saucisses. Ah, je m'en fous, des cœurs et du chocolat. Et des saucisses.
Attends. Ça coûte rien de prendre les autres en rab si jamais ça se passe mal. Je fais de l'exercice. On dirait les chiens qui sont sur les tapis roulants. Attends, on va lui mettre du ketchup. Ça me donne giga faim. Toi, t'aimes pas trop les hot dogs, mais. Ah non. Oh! Merde! Je suis en train de saucer le cœur! Regarde! Le ketchup. Allez, est en train de saucer de le cœur! Ah ouais, mettez du ketchup sur les hot dogs! Oh bah vas-y, t'as raison, mets tout le contenu! Allez, on va saisonner tout ça là! Putain, il a tout mis ce con! Attends, c'est bon, on a tout? Ah on non, les casiers, va. Les casiers, les casiers! Seringue anti-hémorragique plus sang! Il doit y avoir un truc là, non? Ah, ça nous aiderait bien, sachant qu'il a 300. Ouais, bizarre, hein. On se demande à cause de qui? Mais jamais, j'ai rien fait. Ok, bah je crois que c'est. On va devoir faire avec ce qu'on a. Ouais, mais c'est chaud. 300, c'est impossible en fait. Authentication. Failed. Tu parles de quoi? J'ai un message d'erreur. Oh merde! Ah, ça m'a quitté le jeu. Bon, après, on va pas se cacher, le level custom était un peu. T'es pas vraiment à la hauteur de notre niveau t'es sur pas ce jeu, bon, quoi. Voilà. Ah, est-ce qu'on voit le trou, tu vois? On se demande, est-ce qu'on le relance, le level custom, quoi? Non, ouais, on va peut-être laisser le temps aux gens de créer voilà, des voilà, trucs un peu plus. On reviendra plus quand vous aurez des trucs un peu plus. Dans notre. À notre niveau. Je n'ai pas encore ce petit goût de reviens-y que j'aurais aimé avoir normalement. Ah, normalement, plus on, de refera, FPS, en tout cas. On refera un stream sur la version complète quand elle sortira. Peut-être le 30. On verra. De ce mois-ci? Ouais. Bon, autant sortir le jeu maintenant. Hein, Ah les gars, c'est bon. Il lag un c'est peu, pas mais 15 sortez-le. Jours qui vont faire la différence. Ça va, hein. Sortez-le, putain. Ça va les gars, merde. Là, on est entre nous, c'est bon. Ah, c'est bien en coop. C'est une bonne idée. Ouais, bonne idée. Par contre, quasi sûr que c'est pas du tout les mêmes développeurs. C'est pas les mêmes physiques, ni le même style. Ouais, ils ont fait France, ils ont juste racheté la licence. Ouais. Ils ont dû reprendre la licence, c'est tout. Mais beaucoup plus facile que putain que Surgeon à la base. Hein. C'était incontrôlable avec oui, les doigts et tout. C'est plus facile en vrai.